Eh ben salut tout le monde, c'est Whoopidoz et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu plutôt spécial, enfin pas très, ça a été testé plein de fois, hein, mais c'est Halloween et j'avais envie de le faire. Vous avez tous aimé la vidéo débat que j'avais fait, je pensais pas atteindre les 20 likes, c'est absolument énorme pour moi. Ça donne envie d'en refaire sans déconner, et ayant vu que des gens étaient d'accord avec moi sur ce que j'avais dit, ça m'a fait vraiment super plaisir les gars, que vous êtes d'accord pour dire que c'était incompréhensible de s'abonner à des chaînes pareilles. Donc je vous fais cette vidéo, c'est Halloween, on est tranquille, mais il y a la vache de Minecraft qui est à mes côtés pour m'accompagner. On est parti, alors start game. Je vous laisse l'intro, franchement elle est magnifique. Donc nous sommes enfin sur ce jeu qui très franchement est beau, hein, franchement pour à l'époque où il est sorti, je crois que c'est en 2011 ou en 2012 qu'il est sorti, enfin bref il est vraiment très beau, donc on peut voir qu'on c'est la galère, on s'est fait massacrer par un arbre, enfin non je crois qu'on s'est arrêté plutôt parce qu'elle est en bon état, donc on avance, alors on peut voir qu'il fait jour et ça c'est vraiment génial. Ah oui, je redis un peu les choses que j'avais dit dans une autre émission que j'avais fait sur une autre chaîne qui était testons ce jeu, que je faisais avec Umpack. Donc développé par Blue Easel Studio Proudly Present. Franchement, ce que j'ai bien aimé, c'est que là au moins il fait jour. Ça peut être tout con, mais étant donné que d'habitude on crève de peur, mais vraiment c'est le bon terme, on crève de peur toutes les dès la première seconde. Là, on va petit à petit aller dans la nuit, même si en je crois que c'est en quelques minutes que la nuit arrive. Ouais, c'est une connerie comme ça, je crois. Ça m'avait bien fait marrer la première fois. Bon, alors, attendez, je me mets à l'aise. Voilà, je suis un peu plus haut. Ah. Mark Hadley, Edward Mark. Alors, on avance, mais vous voyez, ça commence à se couvrir. Plus on va avancer. Donc là, en fait, on est dans la prologue, je tenais à le dire. On a en tout, si je dis pas de conneries, on a 5 niveaux, il me semble. On a un niveau prologue, un niveau où on doit récolter 8 pages, un niveau où on est. Un niveau où on doit rallumer des générateurs, un moment très très chiant. Et après, il y a quoi? Il y a un niveau où on marche, il me semble, un niveau où on doit esquiver le sender, enfin, c'est tout un bordel. J'ai déjà essayé de finir le jeu, j'ai jamais vraiment voulu. Alors, mais vous voyez, allez, il commence à faire nuit. Oh putain, les mecs. Et on peut déjà croiser le Slender dans la prologue. Alors on avance, on voit la propriété. Hein. Donc je rappelle l'histoire, c'est que Kate vend sa maison et nous... please, contact. Voilà. Donc on a le numéro de la dame. Impeccable, vite on entre, on se dépêche. Voilà. Alors franchement j'aime bien les interactions, c'est une très bonne idée je trouve de pouvoir bouger les portes avec la souris. Bien que ça avance petit à petit, ce qui fait un effet pas très réaliste. Ah, je relâche la porte, ça fait ça, voilà. J'ai rien dit. Donc première chose à faire, trouver la lampe torche. Voilà, elle est là. Putain, il y a eu un bruit dehors. Allez, on prend ça. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Non, je referme la porte, je referme la vitre. Putain, j'en ai des frissons déjà, les mecs, j'ai entendu le truc marcher dehors. Oh putain. Mmh.
Ok, ça marche. Alors. Donc là, c'est une lettre de remerciement. I can't thank you enough for. Enfin, je ne pourrais jamais te remercier assez. Enfin, c'est tout un bordel comme ça. Ça. Les téléphones sont coupés. Donc c'est la merde. Il faut monter en haut. Là, il faut trouver la clé d'une chambre. Ah. Putain, les mecs, j'en ai des frissons, quoi. Oh là là, c'est horrible. Mais bon, c'est Halloween, faut bien le faire. Donc, il faut marcher. Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien. Putain. En plus, je suis tout seul chez moi. Là, d'habitude, il y a toujours quelqu'un. Mais là. Oh là. Can you see? Putain, je tremble, les mecs. Ah, c'est pas agréable. Donc, can you see it? Peux-tu le voir? Génial. To the wood, dans les bois. Je sais pas si ça ressemble plus à un porc qu'on égorge, mais. En effet, même pas qu'il a dit, ça fait hérisser les poils. Putain, le bruit du. Oh là là, les mecs, j'en tremble, c'est horrible. Ah! Oh putain! Oh l'enculé! Y a pas une autre entrée là? Oh les mecs, j'ouvre, je vois le Slender. Oh, il fait battre l'enculé. Putain, la porte est fermée. L'autre, il est. Oh, fait chier, les mecs. Ça me fait flipper. Il est près de la maison, il est près de la maison, ça c'est sûr et certain. Allez, allez, on y va, on entre par la porte, on se bouge le cul de. Allez, allez! Les mecs, c'est chaud. Oh putain de merde les gens. Ah, on est obligé de le faire là. Ah les mecs. Bon par contre ouais je. Je vois quand même qu'il y a. What? Ah d'accord. Ok. Ouais mais attends, il faut aller où là? Alors les mecs, je vais faire un peu de repérage. Ok, can't run. Mais il faut pas commencer par celle-là en fait. Faut commencer par la maison, parce que sinon on est dans la merde après. Putain, je suis bloqué par quelque chose. Ah d'accord, ils ont oublié de coder pour qu'on puisse passer entre ces arbres-là. Ok, ça marche, tout va très bien. Putain, j'en ai les frissons, les mecs. Elle est là la page. Ça y est, putain, ça commence les mecs. Y a Slender qui. Putain de merde. Ah bon, attendez, moi je baisse un peu le son, hein. Je vais faire une crise cardiaque là. Les mecs.
Alors, dans les chiottes. Y'a rien dans les chiottes. Putain, les mecs, 3 pages. 3 pages, je gère. Allez, on continue d'avancer, on continue d'avancer. Putain, il est près de nous. Je sais pas où il est, mais il est près de nous. Il est quelque part près de nous. Là, on le voit. Allez, allez, bouge ton cul. Putain, elle est essoufflée. Allez. Bouge, cours, cours. Putain, dégage. Oh les mecs. Je vais faire une crise cardiaque là. Oh putain, le bad. Allez, on se dépêche. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Putain, et toi, le cochon dit quelque chose, la vache. Allez. 4. Non, ouais, voilà, j'avais cru lire 7. Je me disais, putain, j'ai quand même bien avancé là. Pourquoi quoi, je suis déjà à la moitié quoi, c'est assez loin. On a combien, 11 minutes de vidéo là? Il est à gauche. Non, 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 ferme ta gueule. Allez, 5 sur 8. On suit la route, on suit la route, on suit la route, on suit la route de merde. On suit cet endroit de merde. Ah non, tout, mais pas dans cet endroit, s'il vous plaît, je vous en supplie. Non, 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 pas lui, pas lui. Pas cet endroit, s'il vous plaît. Ne me dites pas que... Faut pas se retourner, faut pas se retourner. Ah! Oh putain. Les mecs, je sens qu'on va s'en arrêter là pour ce premier épisode de ce let's play sur Slenderman. Franchement, les mecs, je sais pas quoi dire, c'est horrible. Ça fait super longtemps que j'y ai pas joué, j'ai perdu l'habitude. Pourtant, il y avait une bonne époque, ça me faisait même plus peur, je me souviens, j'étais à fond, ça m'éclatait. Et là maintenant, mais putain, je reflippe comme la première fois. Bon, j'ai moins de stress parce qu'avant justement, enfin... Avant j'étais... Fou. Bon bref. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. Et si ça vous a plu, abonnez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. À la prochaine.